Le logement insalubre, vous le savez, c'est une question qui est récurrente ici à Marseille. Et justement, nous sommes aujourd'hui au 10 boulevard des Italiens, dans le 15e arrondissement de Marseille, quartier de la Cabucelle, pour visiter 10 logements qui viennent d'être rénovés entièrement. C'est le fruit de 5 ans de travail. Regardez. Donc ici, c'est un projet où un immeuble était en état totalement délabré. Il y avait initialement 13 logements, un incendie, des logements donc très délabrés, insalubres. Et on a reconfiguré ces 13 logements en 10 logements, de façon à ce que ça soit un peu plus spacieux dans chacun des logements. Alors l'ambition d'Urbanis, en général, là on travaille pour le compte de la ville de Marseille, l'ambition d'Urbanis, c'est de faire des logements dignes et durables. Donc dignes, ça veut dire de qualité, avec des équipements qui fonctionnent normalement. Et durable, c'est le côté durable, économie d'énergie. C'est extrêmement satisfaisant de voir ces interventions là, d'être là aujourd'hui avec tout le monde pour apprécier le travail qui est fait, mais ce n'est pas d'ampleur suffisante par rapport aux difficultés qui sont réelles sur le territoire. Donc moi je suis assez favorable à ce qu'on repense une intervention plus globale, tout en considérant que si on n'avait pas eu ce dispositif-là, ben voilà, on n'aurait pas pu réhabiliter les 300 immeubles qu'on a réhabilités, sur lesquels on est intervenu de toute façon, et donc ça a été une grosse amélioration. Donc ici, c'est un projet où un immeuble était en état totalement délabré. Il y avait initialement 13 logements, un incendie, des logements donc très délabrés, insalubres. Et on a recours. C'est extrêmement satisfaisant de voir ces interventions là, d'être là aujourd'hui avec tout le monde pour apprécier. 5 ans de travail, regardez. Configurer ces 13 logements en 10 logements, de façon à ce que ça soit un peu plus spacieux dans chacun des logements. Alors l'ambition d'Urbanis, en général, là on travaille pour le compte de la ville de Marseille, l'ambition d'Urbanis, c'est de faire des logements dignes et durables. Donc dignes, ça veut dire de qualité, avec des équipements qui fonctionnent normalement, et durable, c'est le côté durable, économie d'énergie. Le logement insalubre, vous le savez, c'est une question qui est récurrente ici à Marseille. Et justement, nous sommes aujourd'hui au 10 boulevard des Italiens, dans le 15e arrondissement de Marseille, quartier de la Cabucelle, pour visiter 10 logements qui viennent d'être rénovés entièrement. C'est le fruit de 5